Vous regardez RTL. Le docteur Lasmar, Rodrigo Lasmar, je vous confirme qu'il est brésilien. Bien sûr. Et le professeur Saillant va au Brésil auprès du professeur Lasmar. Ben, peut-être pour aider Lasmar. Oui, ben évidemment qu'il y va pour aider Lasmar. Mais pourquoi c'est pas Lasmar qui vient ben à Paris? Parce que Neymar va pouvoir être visité par ses cousins-cousines. Oui, certes, mais ce qui compte, c'est pas d'être visité par sa famille. Ce qui compte... Si, la rééducation est très importante. Très, très important. Et la rééducation... Quand toute la famille arrive dans la chambre, on se sent mieux. Quand, la rééducation... quand toute la famille arrive dans la chambre, on se sent mieux. Oui, mais enfin, ce qui compte, c'est quand même d'avoir été bien opéré. Rééducation au soleil. Absolument. Et puis, il pourra faire un testament brésilien. Ce sont des très, très bons chirurgiens en Brésil. Moi, franchement, si on me demandait, Muriel, pareil, il vous arrive un truc. On vous donne le choix à être opéré au Brésil ou en France. Qu'est-ce que vous choisissez? Le Brésil. Bien sûr, mais pourquoi? Mais non, mais voyez, pour la musique. Je trouve ça offensant pour notre. Mais non, mais non. Évidemment. C'est une musique de quel pays ça? Ça, c'est le Brésil. Hein. C'est le Brésil. C'est le Brésil de Casablanca. C'est une vision de la samba très particulière. mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Il se ferait opérer en France, on dirait. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce mec milliardaire qui vient profiter de la sécurité sociale? Arrêtons de râler à tout bout de champ. Non, je ne râle pas. Je me sens, monsieur, offensé en tant que Français au nom de la chirurgie de notre pays. Car je dis oui, nous pouvons nous-mêmes réparer la cheville. Mais de c'est la raison Neymar. Pour laquelle monsieur Saillant y va. Oui, mais monsieur Saillant est obligé d'aller au Brésil pour opérer. Qu'est-ce qui se passe? Mais il va être payé en escudos. Ah, vous croyez que c'est ça? Ça lui fait un petit voyage, le professeur Saillant. Non, il faut dire qu'au Brésil, il y a toute une école de chirurgie. Oh, au Brésil. Oh. Qui a été mené par le professeur Pitanguy. Mais c'est de la chirurgie esthétique, ça n'a rien à voir. Mais non, rien à voir. C'est de la chirurgie réparatrice. Non, je connais Pitanguy et sa famille, moi, monsieur. C'est mais moi, j'ai ah, c'est pour ça. Très bien. Ils sont tous comme ça, ils font comme ça, maintenant, ça suffit. Oh, ce que t'es bête. Ah non, mais j'en ai marre, maintenant. Hein. On peut rien savoir. Marre de quoi? On peut rien savoir de mieux que lui. C'est quand même chiant. Mais non, mais pourquoi? Je sais un truc, c'est pas quoi. Parce que t'as conduit une bagnole pendant 10 heures dans ta vie que tu vas savoir tout. Sur le. Mais quel rapport? L'urgie réparatrice! Un jour, il y a un mec avec qui je me suis engueulé, qui était un grand patron, qui m'a dit ah, c'est pas parce que t'es pilote automobile que tu me fais peur. Il me dit la même chose. C'est idiot. C'est idiot. C'est un duel de titans, hein, Bénichou de Chavannes. C'est en train de prendre une proportion dingue. Oui. Il y a de la haine, hein. Non, oui. Mais non, il n'y a pas de haine. Il y a de la haine, beaucoup de haine. Sous, il n'y a pas de haine. Il y a beaucoup de haine. Non, il est allé un peu loin, c'est tout. J'ai un peu mal. Moi, j'aurais jamais fait ça devant ces gosses. Surtout le jour de l'anniversaire de Pierre, Christophe. Mais pardon. Ah non, t'aurais pas dû faire là, ça. Je vais vous dire, je retire tout et, et tout mon cœur vibre pour l'anniversaire c'est de Pierre. C'est trop tard. Embrasse-le, embrasse-le. Moi, je veux bien. Non, non, mais parce que j'ai pas vu les décorations. Embrasse-le, il adore. Pas sur la bouche. Que tu me touches. Allez. Je l'aime bien, ma vieille pute, là. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, je l'aime bien, virgule. Ma vieille pute.